Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo dernière minute. J'ai le livreur de chez Amazon qui vient de venir parce que j'avais commandé quelque chose sur Amazon pour Chouchou. Voilà, alors il savait pas que j'avais commandé, c'était une surprise pour lui, mais je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est pour le Diamond Painting. Alors, Chouchou, comme moi, a démarré avec une tablette lumineuse A4. Après, on a pris la A3, donc toutes les deux de chez Action. Et là, il me disait qu'il l'a trouvée petite. Donc, parce que bon, il dit, ouais, le kit ne peut pas aller complètement sur le... Bon. Il a trouvé petite et du coup j'ai cherché. Alors j'ai cherché un petit peu parce que il y avait tous les prix. Il y avait vraiment tous les prix. Genre presque 200 € une tablette sans accessoires, sans rien. Si on va pas pousser le bouchon, hein, quand même. Je veux bien faire des cadeaux, mais. Suivant ma bourse. Non, alors j'ai trouvé une tablette. Alors voilà le carton. Hop. Il est grand, hein. Mais il n'y a pas que la tablette dedans. Donc c'était un kit qui était pas le kit en lui-même. Hein. C'était un kit complet vendu. Donc avec la tablette. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Alors, je vous montre d'abord les accessoires qu'il y avait dedans, puisque là, ils sont au-dessus de la tablette. Ce sera plus facile pour moi pour après vous montrer la tablette. Alors, d'abord, j'ai tout ça qui s'est barré. Voilà. On a d'abord un gros kit comme ça. Bon, qui est stylé, hein, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on a d'abord deux petits plateaux verts. On a 1, 2, 3, 4 stylets, comme ça. Alors, d'un côté, pour mettre 1. Et ensuite, alors, est-ce qu'on voit bien? Non, mais ça, c'est pour en mettre 9. Voilà. Là, et là, ça doit être les deux mêmes. Oui, c'est pour en mettre 6. Et celui-ci pour en mettre 3. Voilà, pour mettre 3 perles. Donc on a 4 stylets. Hop. On a une petite pince, mais là c'est celle en plastique. Hein, donc pas grand intérêt, mais bon, elle y est. Ensuite, une petite raclette, comme ça. Ça, c'est bien pour bien remettre droit vos perles quand elles sont pas bien mises à niveau. Donc, c'est pour pousser vos perles. Moi, j'en ai déjà une comme ça. Vous l'avez peut-être déjà vu quand dans les encadrements, des fois, je m'en sers. Ensuite, alors un grand pavé de colle, enfin de glu. Là, il y a de quoi faire. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 carrés dedans. Voilà. Une big tablette. Alors, je montre par rapport à la verte. Oups. Voyez. Voilà la verte. Voilà la blanche. Donc là, c'est vraiment la grosse, grosse tablette avec... Le petit bec verseur ici. On a des étiquettes. Voilà, donc je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 16, 20, 24, 48, il y en a une cinquantaine. Une cinquantaine d'étiquettes. Et on a des petits sachets zippés. Bon, pareil, il doit y en avoir quoi, 10-20 à peu près. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a
dans le kit. Alors attendez, je remets tout dans le sachet. J'aurais pas que Chouchou y perd des trucs. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est le premier kit. Ensuite, on a avec des pinces comme ceci. Alors, il y en a quatre. Voilà. Donc, c'est les pinces que vous... Ça, non, ces pinces-là, mais je ne sais plus. Donc, vous les pliez comme ça. Et puis, voilà. Donc, on en a quatre. Je vais les mettre dans le sachet aussi. On va terminer. Hein. Ensuite, on a une grande boîte. Pour, genre pilulier pour mettre les perles avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 alors 14 petites boîtes comme ça. Donc ça fait 14 fois 4, 28, 56. Donc vous pouvez faire 56 couleurs dedans. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Et pour terminer, avant la tablette, bon, là il y a une petite notice, hein, mais bon, c'est pas en français. Ah si, non, non, c'est pas en français. On s'en fiche. Ceci qui était avec. Alors, je cherche le bout. Alors ça, c'est un pupitre. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs... On peut régler à différentes hauteurs. Ici. Attendez, je vais peut-être allumer là pour vous. Voilà. Vous voyez? Tout l'écran. Donc, vous pouvez régler à différentes hauteurs. Donc, ça, vous le posez sur votre table. Et vous allez mettre votre tablette dessus. Et il y a un petit rebord là pour pas que la tablette glisse. Vous avez des petits patins, pareil, pour pas que la tablette glisse. Voilà. Donc ça, si vous voulez pas être toujours couché sur votre tablette, enfin sur votre kit, ça c'est bien. Voilà. Donc c'est en métal. Voilà. Et, hop là. Je vais te mettre là, je te rangerai après. Et pour terminer, bien sûr, bon, là, on a le câble. Bon, là, Chouchou l'avait déjà déballé, il l'a essayé. Hein. J'y essaye tout de suite, on ne sait jamais que ça ne s'allumerait pas ou n'importe. Donc, il y a la prise avec l'USB, hein, comme d'habitude. Voilà. Et la petite prise, l'autre petite prise USB pour mettre sur la tablette. Donc, elle est déjà bien. Pour un bon mètre. Et pour terminer, alors, Chouchou a déjà mis son kit dessus. Vous voyez son kit de l'Indien, de l'Indienne. Voilà la tablette. Oh, ici. Vous voyez, elle est big. Hein. Vous avez vu ma tête à côté? Elle est très très grande. Elle fait 40 cm sur 60. Voilà. Elle est extra plate. Je vous montre. Regardez l'épaisseur. Vous voyez, elle est vraiment extra plate. Intensité de lumière. Voilà. Bon, là, je ne vous l'allume pas, hein, mais parce que de toute façon, vous ne verriez pas bien à l'écran. Mais voilà. Mais bon, elle n'est pas lourde. Hein. Donc, comme ça, bah, il peut mettre son kit. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà ce que lui veut que ça fasse. Voilà, vous voyez? Le kit est bien sur toute la tablette. Lui, il aime bien que ce soit comme ça. Voilà. Donc, voilà. C'était ma petite vidéo express. Je voulais vous en faire profiter. Et... En plus, bon, c'est pas le prix de chez Action. Hein, ça, on va pas se le cacher. Hein, de toute façon,
Là, je l'ai payé un tout petit peu, enfin presque 73 euros pour tout. Je vous dis, en sachant que une tablette comme ça, j'ai vu sur Amazon, de la même taille, sans aucun accessoire. Hein. Mais alors vraiment que la tablette, je les ai vues. Il y en a une la plus chère que j'ai vue, faisait 186 euros, un truc comme ça. J'ai dit, ils sont fous. Donc là, bon, j'ai payé 73 euros pour tout. Bon, puis de toute façon, j'ai fait attention au prix, mais bon, comme c'était un cadeau que je voulais faire à Chouchou, voilà. J'ai dit. Alors, je pouvais la garantir en plus. Il fallait que je paye 6 euros de plus. Mais je me suis dit, bon, il y a déjà une garantie dessus. C'est rare que je prends les garanties supplémentaires. Donc là, je ne l'ai pas prise. De toute façon, c'est une tablette, hein, ce n'est pas une machine à laver. Voilà. Mais sachez que vous avez la possibilité donc de prendre une garantie supplémentaire si ça vous intéresse. C'est en cas de casse, de vol, de panne, bien sûr. Mais bon. Donc voilà. Bah, écoutez, donc je vais vous remettre des photos, mais bon, je vais certainement prendre les photos qu'il y a sur Amazon. Ce sera plus clair. J'ai chaud. Je dégouline. Je vais vous remettre quelques photos à la fin pour que vous voyez tout bien en détail. Moi, en attendant, en barre d'infos, je vous mets le lien direct pour pouvoir, ça vous intéresse, d'acheter cette tablette. Alors, faites attention, si jamais vous la commandez, il y a plusieurs articles de cette tablette-là sur la même page. Là, celle-ci, c'est bien celle à 72 euros et des poussières, enfin presque 73, parce que j'ai vu, il y a des trucs à 35, mais bon, il n'y a pas les accessoires, ou la tablette est plus petite, ou tout ça. Hein. Donc là, ça y est, j'ai une tache. Pardon. Là, c'est bien celle qui fait un peu moins de 73 euros. Voilà. Comme ça, si jamais ça vous intéresse de la commander, bah, n'hésitez pas. Hein. Voilà. En plus, c'est bien. Bon, je trouve qu'il y a plein de petits gadgets. Si vous êtes novice dans le diamond painting, je veux dire, si vous n'avez pas encore beaucoup de matériel. Ben là, vous avez la tablette, vous avez la trousse avec les pinces, les stylets, les plateaux, la raclette. La raclette, on n'en a jamais hein, dans les kits. Là, vous avez même une boîte pour mettre vos perles. Donc, pour commencer, c'est vraiment un bon kit aussi, je trouve. Donc, voilà. Allez, on va refermer tout ça. On va le redescendre à Chouchou pour qu'il range dans ses petites affaires. Ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, dites-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et nous, en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt! Bisous! Thank you.